Salut, moi c'est Jules, Jules Schubert, comme le compositeur. Messi. Aujourd'hui, j'emménage à Colmar pour y devenir chef cuistot. Lui, c'est Jean-Paul, mon père. Il est venu m'aider à m'installer. Mais je suis au max. Grâce à lui, j'ai fait la rencontre de ma voisine Alice. Je l'aime, mais j'ai fait une terrible première impression. Alice, ça rime avec Vialis ? Elle nous a prêté des couverts, alors on l'a invité à prendre le casse-croûte avec nous. Je vais essayer de me rattraper, enfin, si j'arrive à en placer une. Je comprends pas, c'était le chat de votre voisin. Mais oui, ce cochon de chat, il essayait d'attraper la pauvre Mitzi à chaque fois qu'elle sortait dans le jardin. Non, c'était terrible. C'est pas gagné. C'est bon, hein, ça. J'en peux plus. Ça fait 5 minutes qu'on mange et elle connaît déjà le nom de ma maîtresse de CE2. Madame Thérèse. Les cornichons préférés de mon père. Aigre doux. Et l'histoire de la réduction mammaire de la tante Marie-Jo. Elle est passée de ça à ça. Achevez-moi. Ouais, que t'es triste. Hein. Il faut que je me débarrasse de lui. Je sais, je vais finir tout le pâté, comme ça il sera obligé d'aller en racheter. Et là, boum, je passe à l'attaque. Et hop, pain, pâté, sel, poivre et tada ! Courage ! Quand on aime, il faut se sacrifier. Mais le chauffage au gaz naturel, c'est tellement plus agréable. Ah oui, c'est sec. En hiver, je me colle contre le radiateur en fonte avec une bonne tasse de thé chaude. Il parle de gaz, là ? Et chez nous, à la maison, on s'est fait installer un chauffage au gaz naturel par un partenaire Vialis. Eh ben, on est ravis. Ah oui, c'est récent, ça ? On a bénéficié du coup de pouce chauffage, c'était il y a ça. Bon, ben, il n'y a plus de pâté. Hein ? Oh, mince ! Mais aussi, si j'avais su qu'on était trois, j'aurais pris du rab de Medvurst. Non, mais c'est pas grave, je pense que j'ai un petit quelque chose pour le dessert. Oh non, on n'est pas très dessert. Mais hé hey, moi je veux bien. Le salaud. Tant qu'il y aura à manger, il partira pas. Ouh, tu prends d'avoir une super voisine. Ouais, elle est sympa. Me prends pas pour un flash, Kishle. J'ai vu qu'elle t'avait tapé dans l'œil. Mais pas du tout. Arrête. Tu fais toujours la même grimace. Et voilà. Des petites prunes toutes fraîches. Elle veut tester la pureté de mes sentiments avec ses couettes ? Pas de problème. Et hop, 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 hop. J'y crois pas. Il est toujours là. Il me fixe. Qu'est-ce que je fais ? Elle me regarde. Faut pas que je reste là. Bon, on y retourne ? Oh mon dieu ! J'ai fait un mélange interdit. Le Leverwurst est en train de fusionner avec les Quetch. Il se transforme en démon des enfers castriques. Je l'ai sorti d'un réveil millénaire et il vient se venger ! Ça va, bonhomme ? Oh là là, il a pas l'air bien. Oh non, elle s'approche de moi alors que mon estomac présente sa démission. Il a de la température. Oh, elle a la main si douce. Je voudrais y rester toute la vie. Oh. Ah bah, y a de quoi chauffer tout l'immeuble là-dedans, hein. Eh merde.